Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Purifie-nous de tout le souillure.
psaume 118, strophe 6. Psaume 10.
reste l'ami de la violence. Psaume 12. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, que le chagrin de jour et de nuit, jusqu'à quand mon Dieu me va-tu cacher la face? Je l'emporte sur lui, que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour, je me confie, que mon cœur exulte admis en ton salut. Cantique d'Ézéchias, page 280. Je disais, je vais donc m'en aller au plein midi de mes jours, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes ans. Comme une tente de berger, comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie, on me tranche la trame. Et le jour jusqu'à la nuit, tu m'achèves, je suis prostré jusqu'au j'ai mis comme la colombe.
mes yeux s'épuisent à regarder là-haut. Ô mon maître, sois mon garant. Mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Et toi, te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Il n'y a plus pour qui descend dans la fosse d'espérance en ta vérité. Du Père Caffarel, bienheureuse Trinité. Les personnes divines auraient pu distribuer à l'homme des aumônes de leur amour bienheureux, des miettes de leur table, c'eût été déjà des dons inappréciables. Elles ont pourtant voulu mieux, que chaque homme, que l'humanité entière soit l'invité de leur amour, de leur bonheur. Non pas à la porte de la famille trinitaire, au dehors, mais au sein de la vie trinitaire. Notre place, notre patrie à nous baptiser, c'est la communauté trinitaire. Là, dans le Fils et avec le Fils, dans l'Église et avec l'Église, nous sommes tout ouverts, tout accueillants à l'effusion d'amour du Père qui fait de chacun de nous, au sens fort du terme, son enfant. Dans le Fils, avec le Fils, nous sommes tout bondissants vers le Père dans un immense élan de gratitude joyeuse. Avec le Père et le Fils, nous exultons de joie en leur commun amour, l'Esprit-Saint. Tel est le mystère profond de la vie et de la prière de l'Église, et donc de la vie et de la prière chrétienne individuelle. De même qu'un enfant est non seulement l'invité de l'amour de son père et de sa mère, mais aussi le témoin de leur amour, de même nous, les invités de l'amour du Père et du Fils, nous devons être parmi les hommes les témoins de leur amour mutuel. Ou plus exactement, il nous faut être tout transparent à l'Esprit-Saint qui nous habite pour que les hommes, nos frères, comprennent cette bonne nouvelle, qu'ils sont eux aussi les invités de cet amour du Père et du Fils et de leur éternelle joie.
Accrois, ô Christ, et notre lumière, nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Accrois, ô Christ, et notre lumière, nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Bien qu'il soit le Fils, Jésus a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Accrois, ô Christ, et notre lumière, nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire. Nous voilà au lendemain de la fête de la Croix glorieuse. Et c'est Marie que nous fêtons en ce jour comme Notre-Dame des douleurs, avec ce passage de la lettre aux Hébreux qui nous relate la passion du Christ. On trouve les premières traces de la dévotion aux douleurs de la Vierge à la fin du XIe siècle, particulièrement dans les écrits de saint Pierre d'Amiens, saint Anselme et saint Bernard, pour n'en citer que quelques-uns. Mais cette contemplation se limitera pendant plusieurs siècles au seul passage de l'Évangile qui montre Marie et Jean au pied de la croix. La piété populaire va cependant peu à peu étendre la compassion de la Vierge à toute sa vie. C'est pourquoi au XIVe siècle, on parlera communément des sept douleurs ou des sept glaives enfoncés dans le cœur de la Vierge. Le premier, la prophétie du vieillard Siméon, voit cet enfant est fait pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées de bien des cœurs. Le second glaive, le massacre des innocents et la fuite en Égypte. Le troisième, la perte de Jésus au temple de Jérusalem. Le quatrième, l'arrestation et les jugements du Christ. Le cinquième, la mise en croix et la mort du Christ. Le sixième, la déposition de la croix. Et le septième, la mise au tombeau. Après avoir été fixée à des dates différentes, elle est définitivement marquée au vendredi de la première semaine de la Passion, avec le titre des sept douleurs, et s'étendra à toute l'Église latine sous le pape Benoît XIII. Pourtant, la fête qui subsiste en ce jour vient de l'ordre des Servites, obtenue du pape Clément IX et confirmée par le pape Innocent XI comme un privilège propre. Elle fut adoptée par le Saint-Empire au XVIIe et enrichie d'indulgence pour les fidèles par le pape Clément XI. C'est le pape Pie VII qui, rendu à la liberté, l'étendit à l'Église universelle en 1814. Mais elle ne fut définitivement fixée le 15 septembre que par Pie X, qui l'a mise au jour octave
de la Nativité de la Vierge Marie. Dans le calendrier festif du pape Paul VI, la première fête, celle du vendredi après le dimanche de la Passion, disparut. Nous pouvons donc, avec tous ceux qui nous ont précédés, contempler la douleur de Marie, dont saint Anselme nous écrit « Votre peine, Vierge sacrée, a été la plus grande qu'une pure créature ait jamais endurée, car toutes les cruautés que nous lisons que l'on a fait subir aux martyrs ont été légères et comme rien en comparaison de votre douleur. Elle a été si grande et si immense qu'elle a crucifié toutes vos entrailles et a pénétré jusque dans les plus grands, les plus secrets replis de votre cœur. Pour moi, ma très pieuse maîtresse, je suis persuadée que vous n'auriez jamais pu en souffrir la violence sans mourir. Si l'esprit de vie de votre aimable fils, pour lequel vous souffriez de si grands tourments, ne vous avait soutenu et fortifié par sa puissance infinie. Elle nous apprend que Marie a marché à la suite du Christ, qui a appris l'obéissance par la souffrance de sa passion. Cette souffrance de Marie n'a été que compassion tout au long de sa vie pour ce Fils qu'elle avait reçu de Dieu et qu'elle lui redonne encore et toujours au plus profond de son cœur. Elle est, comme celle de son Fils, une souffrance profondément incarnée qui sauve et qui relève, une souffrance non recherchée mais acceptée, une souffrance offerte par compassion pour le salut du monde et pour le salut de chacun de nous, ses enfants. Ce cri de Jésus sur la croix a été profondément partagé par Marie, qui a complété ainsi son fiat de l'Annonciation, pour que toute sa vie, à la suite de celle de son Fils, nous soit donnée, pour que nous puissions à notre tour suivre le chemin de son Fils. Nous pouvons à sa suite recevoir l'Esprit Saint dont elle a été comblée dès sa conception, et qui en a fait une créature à part, capable de dire un oui, qui a engagé toute sa vie dans une voie d'obéissance parfaite à Dieu. Nous pouvons, comme Jean au pied de la croix, la prendre pour mère, pour qu'elle nous apprenne à nous dessaisir de tout nous-mêmes, pour que l'Esprit seul de son Fils puisse grandir en nous et nous permette d'accomplir toujours davantage la volonté de son Père. Nous pourrions alors devenir de véritables enfants de Dieu, capables de vivre en frère, en nous aimant de cet amour de Dieu, pour que nous puissions enfin être unis à lui dans une étreinte d'amour qui ne prendra pas de fin et qui délivrera nos corps mortels de la souffrance de la mort et du péché. Thank you.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. La visite du pape au Liban et son appel à la paix et à la réconciliation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les initiatives islamo-chrétiennes favorisant l'esprit de dialogue. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les mères qui ont perdu leur nouveau-né, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Avec Marie qui a suivi ton Fils dans sa passion, aujourd'hui exalté dans la gloire, Père, nous te louons. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous. Oh.
l'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Servante du Seigneur.